Allez, ça tout le monde, c'est Azur Hyperacia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 917 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait continué notre mode aventure, les amis, dans la carte du crépuscule. On est à 52%, plus que 48%, et souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait tout simplement terminé cette case dans laquelle on avait obtenu notre costume avec Link, que je vais vous montrer. Donc évidemment un costume très intéressant parce que c'était avec le vrai Link déjà un. Et de deux, c'était le postier, voilà, de The Legend of Zelda Twilight Princess. Quand il... le mec il fait... quand il court comme un malade mental pour nous livrer le courrier. Bah en fait voilà, nous avons ce costume là. D'ailleurs avec la petite banderole, hein, la petite pub du postier, tout simplement, ça me rend fou. Et du coup les amis, aujourd'hui on va tout simplement se rendre dans cette case qui est là-haut, dans lequel il y a d'ailleurs un petit baba à voir. Donc nous avons un réceptacle de cœur avec Ghiraim ici. Donc c'est une formation bataille en équipe de niveau 5. On est obligé d'utiliser Ghiraim. On a Xanto en face et Fear en face. Xanto, on préfère les talents de Fée à mon avis, hein. Je pense qu'on affrontera Fée, donc on prendra Xanto avec nous. Donc du coup voilà, bah écoutez, on va y aller, hein, de toute façon, franchement. Ghiraim. D'ailleurs, oh écoutez, hein, il manquera plus que 17 réceptacles de cœur à avoir avec lui. Plus que 17. Ouais, notre normal. C'est pas de bien. De temps en temps, j'aime bien la normalité des costumes. En fait, les costumes sont déjà assez classe en mode normal. C'est vrai, changer un petit peu de temps en temps. Alors, place. Champ de bataille. Ghiraim, Fear, Xanto. Donc, on va s'approcher Xanto et éliminer Fear. Let's go. En niveau 5. Est-ce qu'il va y avoir des boss géants? Je sais pas du tout. On va les voir. Hein. Là, il va être un des deux forts en bas. Alors du coup, là, qu'est-ce que ça va être? Ok, Link et Sia. On va affronter Sia. C'est stratégique. Hein. Allez. Merci. Oui. Tan ta la la la. Hop. Allez, merci. Allez, boum. Voilà, on la défonce. Tac. Ouais, ça va. Honnêtement. Boum. En fait, je viens de comprendre, en fait, quand on vise tellement l'ennemi et qu'on laisse pas le temps de repos, en fait, ça décuple sa vitesse, c'est un truc de dingue. Voilà. Bon, ça, au moins, on a Link et Xanto, bon, ça veut rien dire, hein, ce couple, ça ne veut strictement rien dire. Alors, Fink. Ok,
FRSCA. Je suis passé voir un boss géant, hein. C'est pas du tout. Entre les âmes de glace, why not, hein. Ah ah ah! Who are you today, Goma? I'm fine, thank you guys. And you? Goma, cyclope démoniaque cuirassé. Ok. Sorry. Allez. Parce que là, je sais pas si je vais pour le one shot, hein. Ah, peut-être, hein, y a des chances. Ou en deux fois peut-être, mais. Ah, une fois. Ça passe, ça passe. Pourquoi on stresse à la vie? Faut pas stresser. Ok, l'âme. L'âme, elle a disparu, elle était derrière, mais je pense qu'elle a pas disparu complètement. Vas-y. Oh là là. Oh! Boum! Ok. Fatal! Boum! Merci! Allez. Putain, le nombre d'ennemis. Allez, je pense que là, on le défonce. Pas du tout. Ça, c'est bien. Quatre minutes, ça va. Dans le nombre d'ennemis, oh, ça veut strictement rien dire. Voilà, là-bas, il y a une autre âme. Les âmes, il n'y a pas le choix, hein, pour les matériaux. Tac. Merci. Allez, maintenant on va affronter Sia. Parce que ça va être compliqué sinon. Attends de temps. Déjà 5 minutes. Ah, mais il y a un autre Goma. Ok. Wait. Super. Je sais pas pourquoi j'ai pris les bombes. Eh, eh, doucement, doucement. Oh, mais me fait chier l'autre. Allez. Ah, j'ai pas le temps. Je voulais après faire le coup fatal, mais ça a pas voulu. Oh my god. C'est Nerven Goma. Ok. Je crois qu'on met vraiment trop de temps. Merci. Allez. Parce que là, Goma est éliminé. Je crois que je mets beaucoup trop de temps en fait. Je veux éliminer tout le monde, donc du coup, je mets peut-être un peu trop de temps. Je sais pas si je vais avoir le rang A du coup. Parce qu'il y a les deux Sia noirs à éliminer. Ça va être un petit peu compliqué, je vous avoue. Merci. Et l'autre?
Macho. S'il te plaît. Allez. Je pense qu'on va y arriver. Hein. Oh là là. Sia, comme elle a bumpé. C'est bon. J'espère avoir le rang, du coup. Material. Material. J'espère avoir le rang A, parce que j'ai l'impression d'avoir mis vraiment beaucoup trop de temps. On va aller voir, hein. Oui, le rang A. Ah, ouais, bah putain. Putain, ils sont tolérants, hein, parce que putain. Oh, c'est peut-être 8 minutes. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur, votre énergie vitale est augmentée d'un cœur. Donc ça veut dire qu'il nous en restera bah, plus que 17 avec Ghiraim. Mon objectif, c'est pas d'attirer du monde. Monde. Et si tu disais. Disais l'espace communautaire. Notaire. Terre. Excusez-moi. Hein. J'en parle de. Tops. Merci. Quand même. Du coup. Commentaire. Bisous. Eh oui. Mais bon, écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez dire? Hop, allez, hop, je suis désolé. Répondez à un commentaire en direct. Alors du coup, ouais. Ok, de la merde. 1100 rubis. 7400 rubis. 3500 rubis. 2600 rubis. 7400 rubis. Avec un cristal de fée, un sceptre de Sia, une cristalline de Goma, une poupée d'âme de glace, deux talons de fée, trois bastons de Sia, quatre acides de Goma, un gantelet de capitaine d'Hyrule, cinq souffles d'âme de glace, deux cuirs d'Aerafos et sept habits de soldat. Et un lait long frais. Merci! Bon bah écoutez, du coup dans l'épisode prochain, on partira tout simplement bah, faire cette case dans laquelle il y a un... une arme de niveau 4 avec Tingle, voilà, donc on va faire ça, avec son réceptacle de cœur et l'aliment Iski, donc voilà, en plus on peut, ça permettra d'obtenir une petite perle de lumière, parce que de toute façon on n'en a plus aucune, donc là on n'a pas le choix de commencer à en avoir un petit peu, parce que c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu difficile sinon. Bon bah du coup, merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 917 de cette aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition, et on se dit à l'épisode 918, d'ici là, ben, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey! Peace!